Parce qu'on est jeunes et chauves et qui sont vieux et poilus. Ok, on fait l'intro. Salut. Ah non, c'est la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et Juju Fitcat. Et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui Juju, qu'est-ce qu'on va faire alors? Aujourd'hui on va mater les photos de toi quand tu étais adolescent, photos que je ne connais pas. Exactement les gens, donc avec Juju on a fait une première édition où on regardait les photos de moi quand j'étais petit. Et maintenant on passe aux photos d'ado parce que vous nous l'avez beaucoup demandé. Adolescent c'est quoi? C'est de 14 à 18? Ouais, parce qu'après on est majeur donc on est des mini-adultes. Ok, donc 14-18. Voilà. Comme la guerre. Ah. Et culture. Bien joué. Bon, c'est pas très compliqué en même temps, mais. Est-ce que Juju, t'es prête à voir ces photos? Bah, étant donné que tu m'as parlé de photos avec ton ex, non, mais bon, c'est alors, parti. Pour tout vous dire, les gens, en faisant les recherches de ces photos, j'ai retrouvé des anciennes photos que j'avais prises avec mon ex. Voilà. Et il me dit, t'es prête à regarder les photos, Juju? Au secours, pas du tout, non. Mais si, voyons. C'est le passé. C'est vrai. C'est ce qui fait l'homme génial que je suis aujourd'hui. C'est ce qui fait tout ce que t'as appris. Oui. On passe à la suite. Bref. Ça devient gênant. Allez, on attaque. On attaque. On attaque, il me met une fessée quoi. Première photo. Oh. Non mais tu vois les oreilles décollées c'est depuis toujours. Mais j'ai pas les oreilles décollées. Bah bibou. Ça fait un mini Dumbo. Oh. Mini Dumbo, mais je te permets pas. C'est pour bien entendre. Et bah voilà. Comme ça j'entendais bien ce que la maîtresse me disait. Mais genre t'étais un petit élève sérieux toi. Bon j'étais pas très sérieux. Ah. Mais bon. Derrière on reconnaît bien le décor de photo de classe. Oh, mais tellement. Est-ce que j'ai pas la même coupe de cheveux qu'aujourd'hui? Bah en vrai si t'avais pas fait ton dégradé et que t'avais laissé pousser ça aurait poussé pareil. Choupi, on y est. Choupi grandit. Ah lolo. Ah. Trop drôle, photo avec mes sœurs les gens. Donc Camille en fond et Louise devant. Ah non, on dirait trop, vous avez fait la photo tous les deux. Vous l'avez laissée à part et elle est là genre bah cinère. Grave. Elle est trop mignonne cette photo. T'avais les dents bien écartées hein. Elles sont bien remises. Ouais, t'as eu des bagues? Rien du tout. T'avais un appareil toi? Ah bah moi j'ai eu des bagues hein. J'ai eu des bagues, la gouttière. Un chantier. Oh. Eh, hey, ce corps d'athlète. Dis donc, quel musclé. T'as eu ça un peu? Je t'aurais croisé sur la les plage. Les mêmes pecs. C'est vrai? Ah bah, ça je va. Me serais dit le petit là-bas là, et pour moi. Début de pec. Ah c'est vraiment le début du début là. Un bon début de pec. Ouais. Là. Donc là ces photos, je devais avoir 14 ans je crois par là, avec la naissance de Antoine, qui fait un peu la gueule. J'avais 12 ans les gens sur la photo. Je trouve que tu fais vieux pour 12 ans. Mature, ça se voit. Je fais quel âge là? 16. Oh non. Mais c'est bien qu'on fasse jeune. Là les gens, petite photo devant un bateau de la marine nationale. Et des années plus tard il fait les photos sur le bateau. C'est clair, c'est marrant quand même hein. Ça c'est une photo transformation à faire tu vois. Ah ouais. Genre tu sais les photos start from the bottom, ouais, and now we are here. C'est exactement ça. On a commencé devant le bateau et on a fini dessus. Oh. Ah. Trop mignon. Là t'as la tête de batte. Tu trouves que je ressemble à Baptiste là dessus Littéralement. Et là c'était Antoine qui était juste là. Il a le même nez que moi sur cette photo. Le petit nez qui monte avec la petite boule comme ça là. Moi j'ai le nez qui tombe vachement et Antoine le nez qui remonte. Un bro, non? C'est pas une marque un bro ça? Ah, possible. Et j'étais trop fier de moi parce que j'avais un petit collier en forme de planche de surf. Ouais, voilà. Un bro, c'est pareil, ça existe. Enfin, on voit plus trop cette marque là. Dites-nous les gens, vous qui avez entre 14 et 18 ans, quelle marque vous mettez à l'école du coup? Est-ce que ça existe encore, un bro, Sergio Tacchini et tout? Est-ce que vous portez ça? Il y avait Ernest à l'époque. Ah, ouais. Là, c'était un voyage à Rome et je posais devant la catapulte. D'accord. J'aime bien les catapultes. C'est drôle le catapulte. Ça, c'était avec ta période de Age of Empire, non? Ah ouais, le meilleur jeu au monde. T'as joué à quoi toi quand t'étais petite? Moi j'ai joué à Alexandra Lederman. Comme toutes les meufs, ou les Sims. Ouais, ah, les Sims. Et alors ce que j'adorais moi c'était les faire mourir. Tu sais qu'on l'a tous fait ça dans les Sims. Tu les enfermes entre quatre murs et t'enlèves la porte. Et t'attends qui? Psychopathe. Ah, photo avec ma soeur Héloïse. Ah bah elle a l'air contente de poser avec toi. Oh, ah, mon petit enfant de cœur ça. Eh ouais les gens, enfant de cœur. Et dire qu'il voulait être prêtre. C'est vrai que j'avais dit à Juju que quand j'étais petit je voulais devenir prêtre. Mais la vie a fait que j'ai rencontré Juju puis je me suis dit non, impossible, je peux pas être prêtre. Hey papou. Avec mon grand-père, je pense que j'ai hérité de ses pecs. Ah bah c'est sûr. T'es bad boy un peu là. Ouais, ce que j'allais dire là, tu faisais un peu ta pose en mode bad boy. C'était pour draguer sur MSN. Ah, au secours. Ah. Putain mais t'as trop de chance, tu connaissais Felkin quand t'étais petit. Eh ouais, Felkin c'est mon pote. Trop fan de Felkin. Donc à ma droite les gens c'est Thibaut qui s'appelle Felkin sur YouTube. Regarde, à l'époque je mangeais des gâteaux avec des Smarties dessus. Ah. Et des petites crêpes. Et du sucre glace parce que j'ai trop oui. Mon sucre glace. J'aimais trop le sucre glace. Oh. Oula, je sais pas ce que j'avais au front. Ah, t'as une griffure là sur le côté de la tête. Non, je crois que c'est des boutons d'acné qui arrivaient. Ouais. Et moi j'aime bien me défoncer mes boutons. Mais oui, mais tout le temps. Dès que j'ai un bouton sur le corps les gens je l'explose. Je prends les deux doigts comme ça, clac, clac, clac.
clac. Comme tes petits points noirs là. Et pas la caméra, on a dit, ça fait mal en plus. Ah, j'aime trop. C'est son grand jeu, ça, de me péter des points noirs quoi. Dès que j'ai joué à des points noirs sur le nez, les gens là, j'adore. Dites-nous en commentaire si vous êtes pareil. À 100 000 pouces bleus en bas de la vidéo, je fais une vidéo où j'explose les points noirs du jus. Ah, une vidéo que de ça. Mais non, mais au secours, tu rigoles, mais ça, c'est le genre de truc qui va marcher quoi. Putain. Faites pas ça s'il vous plaît. Non, 100 000 c'est facile. 200 000 pouces bleus. On va trop s'amuser. Ah bah, ça va être génial. Tu fous ma gueule? Ça, c'est mon arrière-grand-mère. D'accord. Mamie Gervais, si tu vois la vidéo. Elle s'appelle Gervais? Ouais, c'est ça. Gervais. Non, mais se fout de la gueule de ma grand-mère. Tu te fous de la gueule du prénom de ma grand-mère? Elle a une vie incroyable. Elle réduit, elle réduit le nom de mon arrière-grand-mère à des pots de yaourt. On l'appelle Madame Gervais. L'écoute pas, mamie! Oh non, ça c'était trop pour moi. Ah ouais, oh. Je vais en manger. Pour la sèche, c'est bon? Ah, pas du tout, non. Il y a une punaise dans la chambre. Ah putain, elle est dedans là? Ouais. Ah, fais chier. Comment il s'appelait tes arrière-grands-parents, toi? Et du côté de ma maman, c'était Fouché. Mais ça va, Fouché? Je te défoucherais bien. Ah, pipao. On dit face à la caméra. Il y a un couteau et une fouchette. Non, mais t'es... Fouché et au moine. Ah, c'est la tenue complète là. C'est mon côté un peu mannequin. T'as pris une nappe pour te la mettre en chemise, non? C'est mon pull. Le magnétoscope comme ça là. Magnétoscope. Non, non. Au secours. Le radiocassette. Ah voilà, radiocassette. J'en avais un comme ça. Franchement, presque le même. Et j'écoutais Barbie Girl dedans. C'est vrai? I'm a Barbie Girl. In a Barbie World. Life is plastic. It's fantastic. Come on, Barbie, let's go, Barbie. Oh, 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 yeah. Est-ce que t'es forte si t'arrives à deviner le club de rugby de mon polo? Albi? Non. Pibrac? Non. Toulouse? Ouais. Stade Toulousain. C'était un pet ça? T'as pété là non? Non mais tu déconnes! Non non mais c'est la mouche derrière là! Ouais. Je pète pas moi! Mais tu pètes pas toi! Oh. Oh! Ah oui là, oula! Ah. Cette tronche! Tu rigoles parce que je suis un binoclard? Non! Bibou! Moi aussi je suis une binoclarde! Mais je trouve c'est ce mélange de. En fait là tu fais vraiment adolescent vieux, un peu mature et tout, mais qui a gardé ses lunettes de gosse! Extraordinaire! Ah! Et... Les années lycée! T'étais au lycée là? Et ouais! Non mais t'as vraiment eu le style surfeur avec la coupe de cheveux! J'avais les cheveux longs, la chaîne! Ah ouais, cette dégaine! Non mais ça c'était la mode, les mecs avec la chaîne autour du cou! La chaîne... Ah bah tiens, regarde! Ah, mais c'est Thibaut! Oh ouais, fais le kin à côté! Oh là là! Mais lui aussi, heureusement qu'il a coupé! Hein. Oh putain! J'avais oublié qu'il avait les cheveux si par long! Que toi. Trop drôle. Là c'est ma pote Mathilde. Trop bien. Elle est trop cool cette photo. Mais t'as vraiment un casque sur la tête hein. C'est pour ça aujourd'hui quelque part que je me venge. Coupe de cheveux. Est-ce que t'as vu cette air un peu romantique? Thibaut surfeur quoi. Cicatrice sur le menton. Elle se voit. Ouais, elle se voit bien encore hein. C'est quand j'étais petit dans mon bain et j'ai glissé. Et tu t'es pris le rebord et du bain. Et j'ai pris le rebord du robinet avec mon menton. Et j'ai eu trop mal. Oh non. Vous devriez que tu en penses, j'y vole. Et les cheveux, putain, ça manque. Bah, long ça... comme ça? Non, pas aussi long, mais ça manque d'avoir des cheveux. Franchement, le dégradé, vous trouvez pas que ça arrange la coupe de cheveux? Moi, je trouve que c'est mieux parce qu'au moins, on dirait que tu l'as fait exprès. Ça fait pas trop mec méchant. Là, non, moi, je trouve que ça fait bien. En vrai, j'aime bien. C'est mon côté bad boy qui te plaît. Dites-moi en commentaire, les gens, si je garde les cheveux courts ou si je les fais repousser. Non, pas si je tombais sur la tête, hop, amorti par les cheveux. Oui, bah, je suis pas sûre. Oh! Ah, début de la muscu, monsieur là. Monsieur fait le coq. Ah, bah, écoute, avec le début de biceps, je t'ai pas attaqué sur la pose. Ah non. Tu nous fais pas ça ce week-end, hein? Non, c'est vrai que ce week-end, déjà, il y a la compète. Même si je suis pas en catégorie bodybuilder, je vais essayer de faire un double biceps. Ah, c'est qui, c'est Batou? Alors, exactement. Donc, photo prise pour la naissance de Baptiste. Ah non. Et donc, t'as Antoine qui est devant. Non, mais trop mignonne la photo. Trop chou. Et maintenant, quand tu vois le loustic que c'est devenu, j'ai 26 ans, il en a 8. T'imagines 18 ans d'écart, quoi. Comme Baptiste, mon frère, va voir la vidéo. On lui fait un gros coucou. Coucou Batou. Bisous. Ah, c'est un peu plus tard ça. Non mais trop mignon sa tête, trop chou. T'as vu ses épaules un peu? Ouais, c'est vrai que tu commences à avoir des petites traces hein. Un an et demi je faisais de la muscu je pense. Bah t'es bien hein. Les cheveux c'est trop drôle. On dirait qu'on lui a frotté la tête avec un ballon. Voilà, et qu'après ça a fait... Sauf que non. Oui. C'est des cheveux normaux à l'époque. Oh, bah, t'es trop mignon. Celle-là aussi. Bon, moi je suis un peu dégoûté, je sais pas pourquoi derrière, mais. On dirait que t'as une boucle d'oreille. Ouais. Et dis-moi, qu'est-ce que t'as dans ton verre là? De la protéine. Ah oui, bien sûr. Un petit sugar, un petit smoothie. Ouais. Un petit smoothie de vodka. Oui, bon, à l'époque je buvais de l'alcool. Voilà, il a eu ses folles années. Petit muscle et tout, petit biceps qui ressort. Ouais, le biceps commence à arriver. On voit même le muscle de la mâchoire. Hé, il ressort bien là. Ah, là
j'avais 19-20 ans là. Première photo en mode beau gosse. T'as gardé les cheveux longs jusqu'à un certain âge quand même. C'était un peu la mode BCBG avec la chemise et le petit pull par dessus là. Toi t'es classe là comme ça, moi j'aime bien. C'est sympa celle-là. Toi tu devais être un gros lover au lycée. Oh. Je suis sûre. Je suis toujours un gros lover. Non mais en mode tu devais être le petit hipster du lycée un peu. Non, non, sans plus. J'essayais. Ça marchait pas tout le temps. Ah. Alors ça c'est un concept. Il va falloir que tu nous expliques à moi et à ta chère communauté. Qu'est-ce que t'essayais d'apprendre là? Alors, t'avais toujours pas fait ton premier bisou, c'est ça? C'est mon côté protecteur de la nature. Ah. Mon côté écolo. Et donc toi, ton côté écolo lèche les arbres. Oh, c'est ça. Protéger la nature. Ah. Et belle cette photo en vrai. Elle est sympa. Hein. T'as un beau sourire dessus. J'ai pas une tête un peu niaise. Non. Comme ça là. Non, moi je trouve elle fait naturelle. Non, là par contre t'as l'air niaise. Ouais. Ah. Là t'as l'air un peu plus coincé. Je crois que j'étais vraiment coincé sur la balançoire. Là c'était après 2 ans de muscu. Pas mal, on la voit tout le temps cette partie là. J'arrive pas à savoir ce que c'est ça. C'est les côtes non? Dites nous en commentaire, on est un peu nul en muscu les gars. Oula. Explique nous. Que te... Il me tarde de savoir là. Bah... Qui est derrière cet objectif? Parlons pas de choses qui fâchent. Bah Juju c'était mon ex qui m'a pris en photo là. Et je voulais montrer mes gains. Ah oui. On voit les pecs et les épaules. J'aimais beaucoup les coussins. Je suis un peu coussinophile. Au secours. Là c'était la pose un peu BG aussi là. Ouais en mode j'essaie de faire genre non s'il vous plaît arrêtez. Arrêtez, arrêtez les photos. On voit même la petite veine de l'épaule un peu je crois. Petit bibi. Le début du biceps qui est arrivé. Ouais avec le grand sourire toujours. J'adorais ce t-shirt parce qu'il moulait. Ça a pas changé, le t-shirt qui moule t'adores. Oh oui. Il est capable de prendre un t-shirt dans une taille plus petite juste pour que ça moule. Mais non je dis pas ça. Pas devant la caméra. Eh, au moins, la photo elle est pas avantageuse, mais au moins les gens on voit qu'il y a eu un avant muscu quand même. Ah bah là au moins oui c'est clair. Je vais faire des belles photos avant après avec ça. Hein. Ah ouais. Eh là ça y est. Faut que tu rigoles. Quoi, t'es pas mon style? Si si je trouve ça un peu. Quoi, mon paquet? Mais non, mais c'était juste le matin et voilà tu vois. Bah oui. Là on sent que t'avais déjà l'habitude de poser pour les photos Instagram même si t'avais pas Instagram. Grave. Ah. La grande époque où tu faisais donc le ménage. Cette époque a existé. La preuve, je suis un homme à tout faire. Ah ouais, bah alors pourquoi tu parles de homme à tout faire avec moi? Explication. Je sais pas, mais en fait c'était pour contracter le triceps, je crois. Ah. Ah oh putain, il y avait une punaise. Ah, ah Christian, elle est où? Je sais pas. Oh putain, ah Christian, arrête de gueuler. Oh putain. Les gens, il y a une punaise qui était sur la fenêtre derrière qui nous a sauté dessus. Oh putain, on a fait quelle tête, tu crois? Ah mon dieu, je sais pas, mais j'ai pas envie de voir ça. Donc les gens, maintenant, nous, on va prendre le petit goûter. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Abonnez-vous à la chaîne de Juju en cliquant sur sa tête juste ici. Et regardez ma dernière vidéo en cliquant par là. Et je laisse Juju faire la fin de la vidéo. C'est directement, et surtout les gens, n'oubliez pas. Tu connais pas ma fin de vidéo? Et surtout les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bon. Parfait. Check. Allez, à table.